Madame May s'est rendue vendredi au Forum des affaires Chine Royaume-Uni à Shanghai, après des entrevues avec le président Xi Jinping et le premier ministre Li Keqiang à Beijing. Le Forum de Shanghai a offert aux entrepreneurs des deux pays une opportunité d'échanger des idées. Le président du fabricant automobile Geely, Li Shufu, a dit que sa compagnie a investi environ 570 milliards de dollars au Royaume-Uni, principalement dans le secteur des voitures vertes. D'autres participants ont aussi exprimé leur optimisme sur le potentiel de relations économiques entre les deux pays. Ces semaines, ils ont finalisé des accords dans des secteurs aussi divers que les services financiers, l'éducation, l'énergie et les soins de santé. Aston Martin a annoncé qu'il allait augmenter significativement ses opérations en Chine. Et hier, nous avons dévoilé une série d'accords commerciaux dans le secteur culturel pour améliorer la compréhension et rapprocher nos peuples. Et j'ai été particulièrement heureuse de voir le groupe de crèche Bizibis prendre place dans la délégation. À la fin de l'année dernière, j'ai apprécié une merveilleuse visite dans une crèche dans ma propre circonscription. À présent, elle amène leurs 35 ans d'expertise à Shanghai avec des plans pour 330 places en préscolaire international.